Nous étions quatre pèlerins traversant les forêts, les montagnes et les champs espagnols où nous passions la nuit, quand soudain ressentis comme un corps étranger dans mon sac de couchage. Dans mon sac de couchage. Une tique typique, hispanique, pas du tout sympathique, qui me pique et ça me rend hystérique. L'ennemi m'avait pris en otage, sur mon nu se promenait l'ennemi, bien tenté de l'écraser, rien à faire, cette espèce de bestiole, c'est l'enfer, comme le Nil au Québec, elle peut être fatale. Elle peut être fatale. Une tique typique, hispanique, pas du tout sympathique, qui me pique et ça me rend agressif. Elle chatouillait le dos de tous et de chacun. Nous pique et nous repique. Nous pique et nous repique. Plus jamais nous n'irons dormir dans les champs, sur la terre des fermiers, là où prolifère la vermine, suçant notre sang. Ça breuve de moi. Ça breuve de toi. Une tique typique, hispanique, pas du tout sympathique, qui me pique et ça me rend allergique. Pique, 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 pique et ça me rend allergique. Typique, hispanique, pas du tout sympathique, qui me pique et ça me rend agressif, et ça me rend hystérique. やれば相当できること言われていた頃、これは恥ずかしい。小学校の交換日記を発見。お友達が理想の結婚相手を聞いている。みんな優しい人とか、身長の高い人とか、なるほど、おませなことを書いていたが、そこに私は骨の強い人と書いているではないか。いじめられて当然の回答だ。お話にならない。しかも消しゴムで何度も何度も消した跡がある。悩みに悩んだ結果が骨の強い人だったのか。しかも消え残っている。明らかにキリンと書いてある。見間違えようがない。交換日記はさらに続いている。ありがたいお友達だ。私のお当番の日、里芋、文脈から迷い犬と想定が保健所に連れて行かれました。かわいそうです。里芋は 穴を開けられると書いて、下にセロハンテープが貼ってあった。見ると犬らしい毛が張り付いていた。